Bonjour, bienvenue dans Musicam Scribere, installez-vous et mettez-vous à l'aise. Vraiment, mettez-vous à l'aise parce qu'on va faire des maths de niveau au moins 1000, alors c'est chaud. Comme d'habitude, il est impératif d'avoir vu les premiers épisodes de la série avant de voir cet épisode 5, parce que pour apprendre, il faut apprendre dans l'ordre. Surtout que le sujet d'aujourd'hui, il est directement lié à celui de l'épisode 4. On avait vu que les chiffres en début de portée indiquaient le nombre de temps par mesure et la figure de note correspondant à ces temps. Bon, je suis quand même gentil alors je le rappelle, mais vite fait, t'as vu. Le chiffre du haut donne le nombre de temps dans la mesure, et le chiffre du bas correspond à une figure de note qui définira ce temps. Par exemple, si on lit 3-4, 4 étant le chiffre qui correspond à la noire, et ben on aura une mesure constituée de 3 temps, chacun équivaut à une noire. Mais à la fin de l'épisode, j'avais précisé que ça c'était pour les mesures simples seulement. Et oui, puisqu'il existe des mesures pas simples. Enfin, on va plutôt les appeler mesures composées, ou ternaires. Les mesures simples, qu'on appelle aussi binaires, sont celles dont l'unité de temps peut être divisée par 2. Les mesures ternaires, elles, sont celles dont l'unité de temps peut être divisée par 3. Pfff, non, trop chaud. Cette unité de temps est toujours une valeur de note pointée. Petit rappel, une note pointée a une durée allongée de la moitié de sa valeur. Par exemple, vu qu'une noire vaut 2 croches, une noire pointée vaudra donc 3 croches. Autre exemple, vu qu'une blanche vaut 2 noires, une blanche pointée vaudra 3 noires. Vous devez commencer à comprendre le rapport avec les temps divisés en 3. Alors, on va reprendre le chiffrage de mesure de l'épisode précédent. Le chiffre du haut correspond au nombre de temps par mesure, et le chiffre du bas correspond à la figure de note qui représentera un temps. Dans une mesure composée, le chiffre du haut doit être divisé par 3 pour qu'on ait le nombre de temps par mesure. Le chiffre du bas représente en fait la figure de note qui occupe le tiers d'un temps. Donc on va la multiplier par 3 pour avoir l'unité de temps. Il est temps d'illustrer par des exemples, ça sera plus clair. Si on a une portée qui indique 6, 8, le 8 indique que la mesure se découpe en croches, et le 6 signifie qu'elle se compose de 6 croches. Donc, 6 divisé par 3 égale 2, la mesure compte donc 2 temps. Et si on multiplie une croche par 3, comme on l'a vu avant, on obtient une noire pointée. Donc, notre mesure comportera 2 temps représentés par 2 noires pointées. Rien de mieux qu'une illustration musicale pour y voir clair. On peut battre la pulsation d'une mesure à 2 temps comme ça. 1, 2, 1, 2. Sauf qu'ici, nos temps sont des noires pointées composées chacune de 3 croches, ce qui va nous permettre d'avoir des rythmes de ce style. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez, un autre exemple. 12, 4. Bon, alors ça veut dire qu'on a 12 noires dans notre mesure. 12 divisé par 3 égale 4, et 3 noires donnent une blanche pointée. Donc, notre mesure comporte 4 blanches pointées. Ça donnera ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un dernier exemple. 9, 16. 9 doubles croches, donc 9 divisé par 3 égale 3, et 3 doubles croches donnent une croche pointée. Donc la mesure est constituée de 3 croches pointées. 1, 2, 3 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 doubles croches. Ce qui est important de retenir dans les mesures composées, c'est vraiment le découpage des temps. Un temps peut se partager en 3, ce qui va donner ce rythme ternaire caractéristique. Et il y a énormément de musique bâtie sur des rythmes ternaires dans le rock, le métal, la pop, partout en fait. Voilà, c'est terminé, alors j'espère que c'était clair et que vous avez répondu à certaines de vos interrogations. A bientôt pour l'épisode suivant où on continuera de parler de notions rythmiques. Pensez à vous abonner. Moi je vous souhaite un bon appétit, dormez bien, écoutez de la musique, bisous.